Ami du jour, bonjour. Addison de retour sur No Man's Sky. Et je vais commencer, une fois n'est pas coutume, sur ce stream, pour te dire à toi qui regardes la vidéo là, sur YouTube ou bien sur Twitch, bah je te dis merci. Voilà. Ça me fait plaisir. Et n'hésite pas à rejoindre quand je suis en stream. Je suis toujours en stream, jour, nuit. Week-end? Non, pas la nuit, c'est pas vrai. La nuit, je dors. Et le jour, je bois mon café. Écoutez-moi ça. Ça sent bon. Ouais, donc merci. Merci vraiment, vraiment, vraiment. Je sais qu'il y a une grosse partie de bots hein, qui sont dans les viewers des vidéos, mais il y en a qui les regardent. Il y en a même qui les regardent, peut-être pas systématiquement, parce que j'en fais beaucoup, mais qui les regardent souvent. On vient me le dire en stream, ça me fait toujours plaisir. Peut-être je le montre pas, mais ça me fait super plaisir. Il y en a qui me disent, tiens, je suis en train de regarder ton code rouge, ton code gris ou blanc, ou voilà. Et ben, je peux t'assurer que ça me fait plaisir. Et si tu regardes en plus, c'est que tu aimes. Ah oui, c'est bien. Allez, on va y aller. En tout cas. Merci. Merci, merci pour tout. Mais on va continuer, hein, on va pas se gêner. Vous avez vu le nombre d'heures que j'ai passé? Savoir que ces trois-là sont terminés. J'ai envie de même dire que le code Yellow, je l'ai terminé ce matin. Puisque le dernier truc, c'était emmener la colonie niveau S. Alors, elle n'est pas niveau S, mais elle est complète. Je l'ai fini ce matin. Une capture d'écran qui le prouve. Mais elle est finie ce matin. C'est triste, mais voilà. La colonie, je suis arrivé à 200 colons. J'étais à 199, j'en ai eu 4 ce matin, et ça a bien bloqué à 200, mais elle n'est pas passée en S. Donc je suis dégoûté, savoir que toutes les autres valeurs sont bonnes. Donc voilà quoi. Ok, on retourne sur la perma, évidemment. Je sais plus où j'en étais, moi je suis perdu. Contrairement à ce qui est marqué dans mon planning ce soir, il n'y a pas le stream avec Jane. Elle n'est pas disponible exceptionnellement. Ou enfin, elle est disponible mais tard. Donc, du coup, voilà, il n'y aura pas de stream ce soir. Peut-être que j'en ferai un tout seul sur Subsistance, mais pas si tard. Allons-y, hein, j'ai envoyé ça ce matin. Ça revient. Regardez-moi ça. Ça revient déjà avec un module de frégate, ça fait plaisir. Des sous, la géodésite. Bah écoutez, le module de frégate, il fait plaisir. Je vais le mettre avec l'autre. J'en ai deux. Ouais, il m'en faut cinq. Géodésite, ouais, ça vaut un peu de sous. Ça valait pas plus que ça avant. Il me semblait que ça valait 350 000, moi. Bah peut-être pas, c'est peut-être moi qui me vois. Ok. J'aimerais bien récupérer trois autres modules de frégate aujourd'hui si je pouvais. Et il faut que je fasse aussi mon frigo, évidemment. D'ailleurs, je suis en train de me dire. Laissez-moi voir quelque chose. Je suis en train de me dire une chose, c'est que hier j'ai recherché une frégate organique, je risquais pas de l'avoir. Il faut d'abord que je récupère l'antenne onirique. En tout cas, la recette de l'antenne onirique qui me permettra d'avoir accès aux frégates vivantes. Donc, voilà quoi. Donc tant que j'ai pas l'antenne onirique, ça va être compliqué. Et par contre, je sais pas qui me la rapporte. On verra. Je vais les renvoyer en mission. Qu'on a le droit à 5 missions par jour. On a envoyé une ce matin, donc il m'en reste, voilà, il m'en reste 4. Découverte, qu'est-ce que je fais? Je vais faire la découverte d'abord. Sachant que j'en ai deux. Hop. Qu'est-ce que ça donne?
Ouais, ça devrait passer. Vas-y, roule ma poule. Faut que je vois aussi mon essence. Est-ce que l'essence, qu'est-ce que j'ai? Il me reste. Eh ben voilà, il me reste plus rien. Il me reste plus rien et il me faut du d'hydrogène. Je vais acheter pas mal de gelée d'hydrogène dès que je peux. On va regarder la boutique si je pense pas qu'elle ait changé. Et je pense qu'elle change. Si je change de système, la boutique va changer, je pense. Je suis pas sûr de ça. Je suis presque sûr de ça quand même. Parce que sur mes autres parties, des fois, j'ai pas les mêmes choses dans les boutiques. J'ai dit, tu me vends. Super. Donc, il me faut de la gelée. Par contre, ouais, j'ai pas non plus tellement de trucs pour. D'accord. Donc, du coup, ça, bah, vu que j'en ai pas besoin tout de suite, ça va dans le stockage. On est pas mal, on est pas mal. Je regarde si tout va bien. Ici, 36, on est bon. Faudrait que je récupère aussi de l'oxy. Hop, une petite save et puis allons voyager. Je sais plus dans quel système je suis, mais bon. J'ai besoin de savoir pour le vaisseau. Ouais, j'ai pas encore de module. D'accord. Il me faudrait un module d'hyperpropulsion, ce qui serait pas mal. Donc va falloir que j'en trouve un. Parce que là, je suis un peu restreint. J'arrive, je finis mon petit café. J'ai pas dit bonjour à Wayspot. Salut Wayspot. Alors, le café était parfait. Allons-y, changeons de système, je sais pas, je suis dans quoi là? Savoir ou pas? 5 planètes. Tropical? Découvert hier par David Edison. Ouais, d'accord. J'ai les corps vagues, je pense que je suis déjà allé en station. Je vais voir un petit peu ce que c'est par curiosité. Ah, j'aime bien ce modèle-là aussi. Mais c'est un petit déjà. Ah, en fait, c'était mon modèle préféré avec ces capsules de marchandises là. Je suis pas dans un système pirate là, c'est dommage parce que j'aurais bien piqué le carburant. J'aurais bien piqué le carburant, mais je vais pas le faire. Tout de même. Après, j'aurais été dans un système pirate, peut-être que je l'aurais fait. Viking fortuné, ça roule. Allons-y, donc je vais. Il me faut un. Il me faut une. J'ai oublié le nom. Une Amelio A pour l'hyperpropulsion. Évidemment. Pour que je puisse. Propulser plus loin, quoi. Et puis évidemment, on ira un peu sur la planète, hein, faire un petit peu de farm. Je suis pas sûr que je l'ai déjà vu cette station-là. Ça me dit rien. Sympa. Petite capture. Ça me dit rien, celle-ci. Oula. Orange et blanc. Ça pique un peu les yeux, je pense, non? Ça va, le blanc, là, ça adoucit quand même pas mal. Alors, on est chez les méchants vikings. On va aller voir, hein, comme d'habitude. Hein. Je fais toujours la même chose, c'est normal. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est dommage, j'aurais bien voulu prendre une photo d'un monde marécageux. Alors. Vu que j'ai besoin, ça va être mon truc aujourd'hui, c'est d'avoir des modules de frégate, je vais le faire. Mais. Alors, normalement, je dis bien normalement, depuis quelques temps, cette mission, il va m'envoyer dans le bon système. Parce qu'avant, tu avais cette mission et c'est à toi de te démerder.
Et normalement, il va m'envoyer dans le bon système. Donc voilà. Bon, je fais quand même mon petit tour de station. Je regarde s'il y a évidemment un. Je sais plus comment ça s'appelle, une panthère rose quoi. Un voyageur. Je cherchais le terme. Il n'y a pas de voyageur. Non, c'est un Corvax là-bas. Et non, on n'a pas de voyageur sur cette station. Ok. On va voir évidemment lui en priorité. On est chez qui là? C'est explorateur, ça, je crois. Guilde des explorateurs. Donc, ça, je peux obtenir gratos. Donc, je prends, évidemment, surtout le bataillon. Et ça, je prends aussi. Le deutérium, c'est gentil, mais j'en ai plus besoin maintenant. Ah, une augmentation de stockage ici en cadeau, mais j'ai pas le truc. Alors, hop, je lui donne noyau à dalle. Est-ce que y a autre chose que je puisse lui donner? Non, j'ai rien d'autre. Clé ancienne, bah ça y est, j'ai donné les trois que j'avais. Ok. N'oubliez pas, des fois le truc il reste éteint. Il suffit de changer ici. Si par exemple j'avais du minéral lumineux dans mon vaisseau, là il apparaîtrait comme si je l'avais pas. Il faut changer le vaisseau, il apparaîtrait en clair quoi. Donc deux estimes de la guilde des explorateurs. Non, quatre. Ah oui, c'est pas ça marche par deux. Ok. J'en suis où sur la guilde des explos? Ah, prochain dans un. Ah, c'est ballot. C'est ballot. Prochain dans un. Fais voir ce que. Je peux peut-être essayer de récupérer un truc précis qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut Cristal tempête. Noyau à dalle. Ils vont pas en vendre en boutique là. La carte d'artefact. La carte d'artefact, je peux pas lâcher en dessous ça? Carte d'artefact. Il n'y aura pas une carte d'artefact, lui? Si? Bah tiens, je vais me gêner. C'est bon, ça passe. Pourquoi j'y ai jamais pensé? Je suis parce que je suis con. Normalement, c'est bon. Donner. Voilà, carte d'artefact. Bim! Voilà. Du coup, mon estime, elle augmente. Voyez. Ok. Donc, peut-être que maintenant, j'ai accès à d'autres choses. Voilà, j'ai accès au noyau larvaire. Il est gratuit. Je le prends. Avec un peu de chance. Je lui redonne pas. Ah, larvaire! Ah oui, non, c'est noyau, j'ai confondu avec le noyau à dalle. Mais je vais le garder parce que certainement qu'on va m'en réclamer un. Hein. Carte d'artefact. Est-ce que si je vais en rechercher une, ça passe? Mais après, ouais, mais il me les donne contre des données, et des données, j'en ai pas non plus 300. Ok. Mais sinon, c'est un. Voilà. Ça, en dépannage, c'est pas mal. Hop. Là. Hop, des nanites. Et vous pouvez regarder des fois dans les caisses, des fois il y a un peu de loot. Je suis associé. Vous voyez, il y a du loot, petite caisse. Des sous. C'est pas non plus formidable. Des fois, ils donnent du loot. J'ai déjà eu de la ferrite magnétisée, par exemple. Exonef et vaisseau. Ah ben oui, vaisseau, j'ai besoin. Yidu, il s'appelle. Hey, Yidu. Alors, il me faut. En module A, évidemment. Blindage des vaisseaux. Pulse au réacteur. Oui, mais non, c'est pas ce que j'ai besoin. Canon et propulseur. Ah. Non, mais de toute façon, il me faut celui-là. Donc, tant pis. Tant pis. Hop, j'ai un peu de loot là. Non, il n'y a rien. Là. Des sous. Multi-outils, je veux même pas. Oh. Vas-y. Classe A, ouais, il y a déjà pas mal d'emplacements quand même pour un petit. Oh, c'est le même. Classe A aussi. Ok. Est-ce que j'aurais pas un truc de multi-outil justement? Non, je l'ai utilisé. Ça, je vais le mettre dans le vaisseau.
Non, non, je l'ai utilisé, d'accord, donc c'est bon. Lui, évidemment. Bien évidemment, où est-ce que je vais le mettre? Pour l'instant, j'ai rien besoin là-haut, donc... Ouais, mais ici, non, non, je bouchais trop mon bonhomme, d'abord. Eh oui. Lui, j'ai rien besoin. Hop, on regarde juste s'il y a un petit peu de loot là. Non, non, non. Là, il y en a un peu, là. Oh, c'est encore des sous. Ok. Bon, c'est pas grand-chose, hein, 100 balles. Eh, hey, t'as pas 100 balles, mec! donc, le client a besoin scanner les planètes depuis d'un monde marécageux. Ah! Donc, s'il me dit ça, c'est qu'il y a des chances qu'il y en a dans ce système-là. Sinon, il m'aurait dit de changer de système. C'est quoi ce qui arrive, là? Monde marécageux. Planète morne. C'est dingue, mais c'est morne. Toxique. Acide. Ça fait 3. Il y a 3 planètes. Hein. Je vais voir la gueule un peu des cargos. C'est quand tu veux, Lightbox. Hein. Elle était en dessous. Envahi par la végétation. Ça fait 4. Et il y en a combien? Il y en a 5, évidemment, sinon c'est pas drôle. Il m'en manque une, donc il y a des chances qu'elle soit derrière celle-ci. Ah, peut-être. Non, si, je l'ai faite celle-là, je sais plus. Je me souviens pas de ce que j'ai fait il y a à peu près 4 secondes. C'est grave. Hein. C'est grave, docteur. Ok, elle va être derrière. Ou alors elle peut être derrière celle-là aussi. Je regarde juste un petit peu la gueule des cargos. Je suis pas contre en changer si j'en vois un qui me plaît plus, évidemment. Celui-là, c'est pas la peine vu que c'est le même style que ce que j'ai. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais voir derrière celle-là ou derrière la plus près? Derrière la plus proche, je pense. Allez, on va aller là. Il y a une grande chance qu'elle soit planquée derrière. Elle n'est pas planquée derrière, je suis mort derrière. Non, 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 je veux pas te parler. T'es trop con. Bah, je suis pas obligé de parler aux gens, moi. Il m'en manque une planète. Hein. Qu'est-ce que ça dit, la mission? Atteignez la planète cible, donc je pense qu'elle est là. Ah, à moins que. Enfin, cela dit, je vois. Avant de partir, je vois la planète. Elle n'est pas non plus là derrière. Bah ouais, mais là, au bout d'un moment, je sais plus, moi. Non, mais ça m'intéresse pas ce que tu as à dire. Enfin, quand est-ce qu'il va comprendre que je m'en fous? Ça fait 2, celle-là acide 3, celle qui est derrière. On en manque une. 4. Ah, c'est celle-là qui n'a pas été scannée, la lune. Ah. Donc c'est pas celle-là. Donc, on va ici et on regarde la carte. Bah si, il est ici. D'accord. Vous voyez, il y a l'icône de l'appareil photo. La planète cible est là. Donc, d'accord. Seulement, il n'y en a pas une qui s'appelle marécageuse. Donc, acide, ça m'étonnerait. Il faut que je relise les noms des planètes. Embrumé, ouais, il y a des chances que ça soit ça, ouais. Alors, on va y aller. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et en bas, végétation, ça m'étonnerait que ce soit celle-là. Scanner les planètes. Je vois pas marqué planète. Ah si, planète cible atteinte, vous voyez? C'est comme ça qu'on sait. Et souvent, c'est marqué monde
Ok? Bah, tant qu'à faire. Alors, c'est rare hein, qu'elle soit dans ce système-là. Hein. Que la mission soit dans le système où vous êtes. Hein. C'est extrêmement rare. On va dire que j'ai eu un peu de chance. C'est un des biomes les plus moches, celui-ci, je trouve. Avec ces espèces de grosses racines à la con. Hein. C'est dommage. Les arbres sont sympas, les arbres violets. Mais ces gros trucs, là, ça gâche tout. Je trouve. Après, il y en a peut-être que c'est leur préféré, hein, c'est possible. Hein. Tous les goûts sont dans la nature. Et comme j'ai dit souvent, heureusement que tout le monde n'a pas les mêmes goûts que moi, ça serait triste. Ah bah parce que j'ai les goûts de merde, hein, faut être honnête. Hein. C'est pas ma faute. On a un bat, qu'est-ce que c'est? C'est un observatoire, ça m'emmerde. J'aimerais bien pouvoir faire quelque chose à l'atterrissage. Je vais regarder si je peux trouver un bâtiment plus sympa. Ouais. Non, je sais pas ce que c'est, je veux pas savoir. Vu qu'il n'y a rien de visible, ça doit être juste une sauvegarde ou une boutique peut-être. Ah, en parlant de boutique, j'ai pas regardé à la boutique de la station tout à l'heure. S'il y avait des gelées d'hydrogène. Oula, il me paraît loin, c'est ça? Alors voilà, je vous donne une petite astuce. Quand vous avez un bâtiment, le scan, il scanne les bâtiments à 20 secondes près. Quand il scanne à plus de 20 secondes, comme ici, 47, on est sûr que c'est un comptoir commercial. C'est une petite astuce. Là, c'est certain, c'est sûr et certain, 1000%, c'est un comptoir commercial. Sachez-le. C'est le seul bâtiment que le scan détecte de loin, en fait. Bon, ils viennent le perdre, mais... Et c'est là que c'est pas un comptoir commercial. Je l'ai dans le cul. Si, si, si. Après, il y a des choses qui peuvent changer avec les mises à jour, mais... Ça change pas. Ça fait 7 ans que c'est comme ça, ça va pas être. Ils vont pas avoir changé ça. Voilà, comptoir commercial. Ouais, tu vois un peu la météo de merde là? Ah oui, extrême tempête, d'accord. Donc, extrême tempête. Donc déjà, c'est une planète extrême, donc pour vos trophées, bah, pensez-y. Et là, si j'avais pas ma protection contre le chaud, là ma vie est descendrait, mon bouclier il fondrait à vitesse grand V. Après, je peux regarder les vaisseaux qui viennent, et s'il y a du S, aller les acheter s'ils sont pas trop chers. Non, mais de toute façon, j'achèterai pas de transporteur, ça est plus cher. Pour pouvoir se faire des agrandissements d'inventaire. Alors, qu'est-ce que t'as, toi? Eh ben voilà, je l'ai dit, hydrogène. Combien je peux en mettre dans le vaisseau? Ouais, 95, je prends, c'est très bien. Je vais prendre sur moi des miroirs solaires. 5, c'est bien. C'est bien, et puis, qu'est-ce que ça d'autre? C'est tout, ça me va. Merci, Bernard. Oui, c'est encore une vieille référence, mais cherchez pas, vous ne l'aurez pas. des conteneurs récupérables un peu partout. Ouais, mais bon, ça attire les sentinelles. Donc, Ah, on a des cristaux de tempête. Ah oui, alors il n'y en a pas toujours. Il n'y en a pas toujours, mais sachez que les cristaux de tempête, on peut se les récupérer parce qu'ils en veulent des fois aux stations. Et puis, c'est aussi de l'argent. C'est aussi de l'argent, donc c'est un très bon moyen de se faire du pognon. Alors, évidemment, ça c'est pas. Et moi, je vais pas les garder pour l'argent, je vais les garder pour commandement pour les guildes. Il y en avait qu'un, c'est ballot. Aussi. Ouais, j'ai de la chance.
faire assez vite parce que ça part vite avec la tempête. Après, vous attendez la prochaine tempête au pire. J'en avais vu devant. Ah oui. Ce qui est rageant, c'est quand vous tombez sur un groupe de 4 ou 5 et tout d'un coup ils s'éteignent. C'est super rageant. Ah, à notre paire de bottes habituelles. Notre paire de bottes. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait vu. Ah, fin de la tempête, donc c'est même pas la peine que je vienne. Bah, il n'y va pas, il dit qu'il n'est pas la peine, il y va quand même. Voilà. On va quand même se soigner. Ça serait bien, ouais, si tu me récupérais un peu d'oxy. Non, non, je veux pas ça, comme ça. Non, je t'ai dit non, c'est ça que je veux, là. Voilà, non mais... je vais te scanner, toi. La tortue, là. Tiens-toi. Ça fait des sous. Je veux pas, là. Non, je veux pas le lâcher. C'est con. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai pas vu combien il y avait d'animaux. Ah oui, on en a 10 quand même. La fleur là, ça m'intéresse pour l'oxy. Ah, elle était si près. Je pensais pas. Ok. Voilà, la sentinelle, mais t'es sérieuse. C'est pas moi. Va chier. Ouais, mais bon, si je peux pas me taper les fleurs à cause de la sentinelle, ça va être chiant. Elle est juste ici en plus. Ok. Là, un petit peu. L'oxygène, vu qu'on le trouve pas en boutique, ben voilà quoi, y a pas le choix, on est obligé de les farmer. T'as pas été scanné toi? Si, toi oui, mais c'est toi là-bas qui a pas été scanné. Oh, c'est un prédateur ça. Je vais le buter, je crois que j'ai une mission prédateur. Je suis pas sûr, mais je crois que j'en ai une, donc... Il m'attaque pas, mais je pense quand même que c'est un prédateur. Eh hey, mec! Encululu. Voilà. On va le sortir très vite. Après, une mission de prédateur, c'est soit 1, soit 2, donc... Intrépide. Friopard. Ah, c'est pas dit que c'était un prédateur. Je t'ai tué pour rien. Allez, chope l'oxy. Ok. On va scanner. C'est une taupe. Et aussi on scanne. Ah ben ça monte assez vite. Y a pas d'oiseau? Y a pas de oiseau? Mais c'est quoi ce truc? On est à quelle heure? Ah, d'accord, 22h. Ouais, je l'ai vu. Allez, on se dirige vers le vaisseau. Hop, je t'ai vu aussi, toi. Alors, ça pop comme ça, donc fais gaffe. Ça pop sur la trajectoire, c'est pas cool. J'ai pris une claque là au passage, non? J'ai cru. Oui. Ah, il est où? Ah, il est de l'autre côté de la colline. Mon vaisseau, il est où? Ça, je le prends pas, j'en ai encore en réserve. Mon vaisseau, il est... j'en sais rien, moi. Il est dans ton cul, voilà. Toi, tiens-toi. Ah, il y a un dino, là. Il y a l'autre devant, il veut pas que je scanne. Voilà. Ça paye. Elle est là, je l'ai vu qu'elle était dans le coin, elle. Ok. Ah, il y en a une autre, là. Ici. Bah oui, mais bon.
Et oui. Nice. Encore une là. Ok, ça me fait chier de faire des oxy, sans déconner. Sur toutes mes autres parties, jamais je ferme de l'oxygène. Ça ne m'arrive jamais. En début de jeu, oui, parce qu'il n'y a pas le choix, mais... Très vite, c'est un truc que j'achète, mais bon, là... on n'a pas le choix, en permades, la boutique est un peu restreinte. Donc j'ai pas d'oxygène en vente. Et c'est ben dommage. Je veux bien de ces trucs-là, surtout qu'il est devant moi. Y a autre chose? C'est quoi ça? Y a autre chose? C'est un glutineux. Je sais pas pourquoi, mais ce mot me fait rire. Glutineux. Alors attends. J'en ai quand même 8 des cristaux de tempête, c'est bien. Le problème des cristaux de tempête, c'est que ça coûte des sous. Du coup, on va se faire attaquer plus régulièrement. Ah bah oui, on peut pas tout avoir. Hein. Au bout d'un moment. Vaisseau est hors de portée. Évidemment. En même temps, il est là. Hein. Il est hors de portée. T'abuses un petit peu, toi, le jeu, là. Ok, Cassos. Je vais en profiter parce que... Oups. Méfie-toi, t'es en perma, quand même. Il fait le con. T'es con, toi. Je vais en profiter pour farmer les plateformes. Il y a toujours des petits cadeaux à récupérer. Évidemment, je dis ça, et là, il n'y en a pas. Super, j'adore. Pour ceux qui le veulent, hein, apprendre des mots, c'est un bon endroit pour apprendre des mots, puisqu'il y a au moins 5 PNJ, là. Alors, est-ce qu'on a comme cadeau, ici? Non, je peux pas l'ouvrir, j'ai pas le truc qu'il faut. Ici, il n'y a rien. Ici, voilà, il y a toujours ici. Toujours. Vas-y. Hop. Je l'ai dit, hydrogène. Je prends. Nitrate de sodium, je les prends. Est-ce qu'il y en a d'autres derrière? Non. Qu'est-ce qu'on a comme vaisseau? Classe B. Classe C. Ah, on est encore en extrême tempête. Allez, go. Combien? Non, c'est pas ce que je veux, ça. Et en plus, dans la station où je suis, en plus, il me les prend, je crois, les cristaux. Après, il va en prendre que 3, hein, donc... Ah, putain, je l'ai vu trop tard. On peut pas les avoir avec ça, au fait, hein. Non, on peut pas. Je n'ai jamais essayé, c'était l'occasion. Tout ça pour un seul. T'es un peu ras, le jeu. 377, il n'y a pas plus près? Non, 367. 164. Il est où? Là. T'as été scanné, toi? Alors, des fois, vous avez des animaux qui vont apparaître que pendant les tempêtes. Ça arrive. Ou la nuit, ou... Voilà. Alors, c'est pas marqué officiellement, mais... des fois, on cherche et on s'aperçoit qu'il arrive pendant la tempête seulement. Hop. Parce que là, c'est souvent un rare, par exemple. Ah, je vais me balader avec beaucoup de pognon sur moi. C'est pour ça que je suis pressé d'avoir accès au cargo à distance. Parce que ce genre de choses, justement, ça, on stocke sur le cargo. Cela, on va se balader avec plusieurs millions sur soi. Et ça va attirer, évidemment, les méchants. Et si, parce qu'il y a des gens méchants. Là. Foirer mon saut. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Ah, je fais gaffe à la santé parce que je suis en permadef, sinon sur mes autres parties ça risque rien. Donc.
Hop, je prends. J'ai vu qu'il y en avait d'autres par là. Exact. Je vais passer au-dessus. Il est où? Ah, une colline. Ah, tout ça pour un rien. Où je t'ai vu, toi? La saleté. Elle voulait me manger. 179. Ah, c'est bon, je suis passé à travers le tronc d'arbre. C'est... Ah, fin de la tempête, dommage. Dommage! Tant pis. La boutique est fermée. J'en ai combien? J'en ai 19 ici et j'en ai dans le vaisseau en plus, non? Non, je ne les ai pas mis dans le vaisseau. 19, c'est pas mal. On préfère un multiple de 3, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Ah bah tiens, on parlait des mots. Il y en a deux devant moi, je vais les prendre. Le mot mort, évidemment, les vikings, c'est tout ce qu'ils ont à la bouche. La mort. Et je, parce que c'est moi d'abord. Ok. Oui, en fait, je fais plusieurs choses à la fois, quoi. C'est ça qui est bien dans No Man's Sky, on peut faire... Et encore, là, j'ai pas tout en tête, là, de ce que je pourrais avoir besoin, mais on peut faire plein de choses à la fois, en fait. Je serais pas contre des petits modules là sur le passage. Il y a des mots là-bas, mais j'ai un peu la flemme. T'as été scanné toi en fait? Ouais. J'ai pas vu qu'il y avait un bâtiment là. C'est un bâtiment abandonné. Donc méfiez-vous surtout si vous êtes en perma. Vous voyez les œufs? Les œufs, il y a des bestioles qui sortent des œufs et qui viennent vous cracher leur venin à la tronche. Donc méfiez-vous hein, parce qu'on peut mourir en quelques secondes, surtout en début de jeu. Si vous n'avez pas de protection et tout, c'est la mort assurée. Hein. Puis elle vous lâche pas en plus, elle vous crache dessus. Allez, go! Je t'ai vu. Ah, j'aurais pu récupérer les trucs avant. J'y ai pas pensé. Alors, là, faut que je regarde mes stocks. 242. Ouais, vas-y, prends. Oh, mais non, mais sérieux. Va chier. Enquête, j'en foutrais de l'enquête. C'est con, je veux ça, moi. J'en ai combien? 204. Elle est où? Il y en a un qui est pas scanné. Ah merde, il est derrière. Mais ça va de se balader comme ça devant moi? Balade à poil devant moi l'autre. Bien, créature rare. Je vais pouvoir la prendre. Ok, elle vient me faire chier. Nice. Et je t'emmerde. Il est où mon vaisseau? Oh, il y en a encore un gros morceau là. Ok. Allez, go le vaisseau, parce que ça fait un quart d'heure que je dis go le vaisseau, mais j'y vais pas. Il est là-bas. C'est pas moi! J'ai dit que c'est pas moi. J'ai rien fait. Mais j'ai été si loin que ça? Tiens, je vais la dépouiller. Là. Regardez les petites astuces là.
On peut les dépouiller ces trucs et après on les bute. Et 70, 73 même. 73 plus 83. Le vaisseau, il est par là. Ouais, je t'ai vu la sentinelle. Ouais. Il y avait une deuxième. Ok. Si ça devrait pouvoir le faire, non. Oh, ça va être les. Ça va être. Wow! Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est de toute beauté. Classé, d'accord. Alors, est-ce que j'ai des trucs à revendre? Les micro-pro, je vais les garder. Le problème, c'est quoi? Ah, mais oui, au fait! Il fallait que je fasse mon frigo. Ouais, moi j'appelle ça un frigo, mais je fais ce que je veux. Un seau hermétique et deux plaquages métalliques. Un seau hermétique. Deux plaquages métalliques. Regardez bien, c'est magique. Je fais mon frigo, voilà. Ah, maintenant, qu'est-ce que j'ai dans le vaisseau? Ça, peut-être même que ça va au frigo. Ah oui, mais je pourrais pas les sortir. D'accord, oui. Faut que je réfléchisse. Ok, et donc dans mon frigo, regardez, j'ai accès à un grand stockage. Et il y a des choses que je peux mettre dedans. Comme ça. Et du coup, je peux même me mettre... Ouais, non, c'est peut-être pas une bonne idée. Nanotube de carbone, non, je vais en avoir besoin. Bon, là, j'ai que ça à mettre. Ah, je croyais qu'on pouvait mettre l'oxy. Non, mais on peut mettre le carbone condensé. Donc, vas-y, hop. Ok. Donc, ça paraît pas. Et du coup, regardez. Là, j'ai mis trois choses dedans qui me prenaient trois stacks. Et je le casse. Et je le récupère. Alors, maintenant, c'est sûr qu'il est dans mon inventaire. Il est quelque part. Hein, je vois pas, mais il est là. Où est-ce que t'es mis... Ah, tu t'es mis là. Il est là. Mais du coup, voilà, quoi. Dedans, je peux mettre masse de choses, quoi. Alors, on va se la jouer comment? On va se la jouer... Je réfléchis comme ça. Il y a une logique dans ce que je fais. Vous la voyez pas, mais il y en a une. Hop, et je veux deux stacks de ferrite. Ok, ça je garde. Tiens, en parlant de ça, j'ai ça parce qu'il y a, il y a une raison très précise. Ça m'embête pour le frigo. J'aime bien l'avoir dans un petit coin, tranquille. Voilà. Je me sens mieux là. Ok. Qui c'est qui est là? Combattant classe A. Combattant classe A. Navette classe B. Ok. Cassos. Et ça, je m'en fous. De toute façon, je n'achèterai pas, c'est trop cher. Qu'est-ce qui me restait à scanner comme animal? Ah, il m'en reste que deux. Inhabituel volant de jour. Oh putain, le rare souterrain. Tu fais chier avec ton rare souterrain de merde. De jour, il est 10h40, d'accord. Donc après, il est inhabituel, mais. Alors, c'est pas parce que c'est un volant qu'il faut forcément regarder dans les airs. Hein. Parce que des fois, ça peut être un papillon, et le papillon, il serait ici, quoi. À hauteur de tête. On va essayer de rechercher. Il n'y a pas une grotte là? Non. Là, il y a une grotte. Je vais jeter un petit coup d'œil quand même dans la grotte. Même si le souterrain n'est pas forcément en grotte, mais. Souvent, il traîne plus souvent devant qu'autre chose, mais. Sans compter qu'il peut apparaître de jour comme de nuit. Donc. Ça, sachez, ça sert quasiment à rien dans le jeu. À une mission de la base où il faut en récolter 50, c'est pineux parce qu'il en donne plusieurs d'un coup, mais par contre si vous le raffinez ça donne du sodium, donc si vous êtes sur une planète qui a peu de sodium, bah, sachez-le, ça c'est bon à prendre aussi, ça donne soit de l'oxy, soit du carbone, soit du sodium, soit voilà,
Et ça fait partie des plantes dangereuses. Donc par exemple, quand vous avez une mission où il faut avoir des plantes dangereuses, ben, vous pouvez venir dans la grotte. Il n'y en a pas dans toutes les grottes, mais il y en a souvent. Alors, donc souvent l'animal souterrain, il peut être dans la grotte, hein, évidemment, je ne vais pas je vais dire le contraire, mais il est souvent devant en fait. Et vu qu'il me manque que celui-là, j'avoue que ça ferait plaisir. Il y a combien d'anites? D'anis 500. Alors il faut savoir que normalement, s'il est dans la grotte, la plupart du temps, il apparaît. Faut attendre une bonne minute. Ah bah, le voilà. Ah bah non, c'est même pas lui. Je suis mort de rire. Dégage. Bouge. T'es sûr de toi là? Je t'ai dit de dégager. On comprend pas le français? De con. Qu'est-ce que tu fous dans la grotte? Là, c'était un animal un terrestre qui était dans une grotte, qui n'a rien à y faire. Complexe de production, je vais y aller. Ça va me permettre de vous montrer quelque chose. Ouais, je voudrais bien me faire la tempête, ça serait bien. La tempête. Une extrême tempête, il y a des chances qu'il apparaisse là, le souterrain. Ah oui, c'est vrai, il faut que je prenne la photo, j'avais oublié. En plus, je suis là pour ça, quoi. Tiens, faire une photo de merde. Capture d'écran. Il m'accepte dans la grotte ou pas? Oui, c'est bon. J'étais là pour ça, j'avais oublié de le faire. Ouais, t'es très con. J'attends, voir s'il se montre le souterrain. Rare. Il n'a pas l'air de vouloir se montrer. Il peut être au-dessus, hein, aussi, juste au-dessus de la grotte ou à l'entrée. Après, ça dépend de quel animal on parle. Quand c'est des petites araignées, elles vont être dans la grotte. Quand c'est, on va dire, des mammifères, ils vont être plutôt devant. Mais c'est souvent la galère, hein. Des fois, on peut passer une heure et demie à chercher le rare souterrain. C'est un véritable cauchemar. Alors, je veux bien que ça soit marqué rare, mais entre rare et pas du tout, il y a une différence, quoi. Enfin, plusieurs fois, j'ai passé une heure et demie à le chercher, et puis dans les grottes en dehors et tout. Alors, il peut apparaître en tempête, il peut apparaître en nuit, il peut apparaître en jour. Voilà, il n'y a pas de règles. En tout cas, pas de règles connues. J'ai quand même, je regarde. Hein. Ok, go alors, go les cristaux. 300 mètres. Putain, vous faites chier avec les 300 mètres. Je préfère les 200, moi. Ou les 100 mètres. Ah, mais je fais plein de cristaux. Hein. Pas pour les sous, mais. Pour les guildes. Évidemment, il n'y en a qu'un. Sinon, ça aurait été. Là, on a quoi? 300. 295 et 120. Ok. On fait les 3 dans la foulée. C'est frustrant quand il n'y en a qu'un. À chaque fois, j'ai que des 1. Mais eux, méchant jeu, méchant. Des méchants jeux. 340 mètres. 325. 211. Ah, j'ai raté mon saut. Ouais, si tu veux. T'as qu'à te cacher dans l'arbre. 300 mètres. 300. 196. J'ai l'œil, hein. On la fait pas à moi.
Alors j'en ai vu un ici, mais je ne savais pas s'il était plus près. Non, non, il est plus loin. Ça va représenter quand même quelques millions, tout ça. Il était où? Je l'avais vu. Il était si loin que ça? Merde, donc retourne. 320 mètres, ça c'est pas mieux. 144. Ah non, mais je vais aller au plus près, hein, j'ai mal au genou. Je vais m'accommoder dans la jungle. Ah, pas de... Ah, il y a une colline. La crotte. Allez. Ça passe doucement. Il y en avait un encore là-bas. La tartine, ça tartine. Oh, je l'ai vu le module, mais... Tu l'as pris? Oui, tu l'as pris, j'ai pas entendu le bruit par contre. Il y en a de la sentinelle sur la planète. Ah, il y en a deux. Ok, allez. Là, je commence à en avoir pas mal. Et là, il y en a pour 2 millions les 10, donc ça fait 2, 4, j'ai déjà 6 millions. 6 millions, 6 millions 5 à peu près. Mais bon, je fais pas ça pour l'argent. Mais c'est une bonne technique aussi, hein. Allez, vaisseau. Là-bas. Faut que je vois comment je suis. 257, je peux prendre. Ok. Non. Je suis comment, sodium, en fait. Vas-y, prends celui-là pour avoir ton stack. Super. Ok. Non, c'est pas ça que je. Oui, donc du coup, attaque pas le truc. Regardez ces gros troncs, on dirait que c'est des troncs en plastique. Ah, tu tombes bien, toi. Tu tombes très bien. Oui. Ah bah oui, bah je l'ai vu trop tard. Oh, il y a une belle petite mer jaune là-bas. Ah, elle m'intéresse pas. En temps normal, je l'aurais pris, mais là, sur la perma. Alors, attends, je vais sauter d'un seul coup, ça devrait le faire. Yes. Ok. Du coup, j'ai des choses à mettre dans mon frigo. Ordite. Ça, et puis c'est tout. Mais ça me permet de me libérer de deux emplacements. Ok. Classe B. On n'a pas un petit vaisseau. Est-ce que je vais vendre? Mais non, mais pourquoi je regarde ça? De toute façon, je ne l'achèterai pas. Ok. Cassos. Donc j'ai la mission à rendre. Et je vais appeler mon cargo pour mettre. Ah oui, mais non. Je ne peux pas les mettre tout de suite hein, parce que j'ai pas les modules. Where is the station? Brian is in the station. Where is Brian? He's in the station. Merde, elle était loin. Donc, je vais rendre la mission. Ça. Hop. On le fait fondre. Tranquille. Donc ça, je rappelle, c'est pour faire de l'essence pour les frégates. L'entrée, elle est là. Là, c'est quoi ton cargo? Voilà.
faut que je mette ça très vite sur le. Je vais me faire attaquer très vite là. À la rigueur, si j'en garde juste quelques-uns sur moi, faudrait que je les garde par 3 pour bien faire. Parce que je crois qu'il les demande par 3. On va le voir parce que justement il en voulait lui. Hey. Salut mec! C'est pour un module de frigo, je crois, non? Ouais. Super. Plus que 2. Là, il y en a un. Il y en a encore un. Je vais le faire. Je me souviens plus de cette mission, par contre. Je vais voir, je m'en souviens plus. Ça fait des années que je l'ai pas faite. Hein. Mais je suis à la recherche de 5 modules de frégate. Il me les faut aujourd'hui. Pour que je puisse communiquer avec mon cargo. Salut, mec. Je veux te donner. Regarde, 3 cristaux de tempête. Bim! Et les explorateurs par 3. Je comprends pas. Des fois c'est par. Des fois ils te donnent 1, des fois ils te donnent 2. Ok. Donc là. D'accord. Donc. Alors on va le faire, apporter l'objet. Je vais juste appeler le cargo pour foutre mes cristaux dessus. Et à chaque fois, tant que j'ai pas mes 5 modules de frégate pour faire la distance avec le cargo, je vais appeler le cargo à chaque fois pour qu'il me serve de stockage. Là, c'est sûr, je vais me faire attaquer, mais de folie. Distorsion impossible ici. Là, je suis trop près de la station. T'es chiant, le jeu, mais t'es d'un chiant. Voilà, c'est bon, ça te va. Oh là là, quelle tête de con. Quelle tête de con, ce jeu. Allez, d'ici je suppose que je peux pas. Hop, on va se la jouer comme ça. Qu'est-ce qu'il veut pas? Il te veut pas parce que t'es bloqué, c'est ça? Voilà, ça te va. Du coup. Vas-y, mets tout, je rappellerai le cargo en cas de besoin. Ça, sur le cargo aussi, évidemment. Et puis, ça. Quoi qu'il y a quand même des choses qui vont aller dans le coffre. Je vais descendre. Je suis trop loin des coffres, c'est ça? Eh oui. C'est un peu con aussi, ça, mais bon, c'est le jeu. Des fois, même ici, hein, il estime que c'est trop loin. Regardez. Mes coffres sont trop loin. Sans déconner, regardez où il est, mon coffre. Ouh là là, c'était loin! Culé. Ça, j'en veux pas, dégage. Ça, je le garde, ça peut servir. Ça, évidemment. Ok. Ça, ok. Ça roule. Nickel. Ça fait déjà 49 minutes, je les ai envoyés. Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Le colonel. Qu'est-ce qu'il me rapporte? Ah, l'antenne onirique. C'est ça que je voulais. Nice. Des nanites. Antimatière. Et un peu de souffle. Ah putain, le ver vivant! Ah non! Et puis c'est 3 en plus. 3 vers vivants. Ok. Ça, je sais plus, c'est dans le vaisseau que ça s'installe? Non? C'est d'accord, c'est ici. D'accord. 3 vers vivants. De toute façon, d'une, j'ai pas la recette. Je pense savoir où est-ce que je peux en avoir des gratos. Après, ça peut être long à chercher, mais voilà. Sinon, faut les fabriquer. Et puis, il faut surtout la recette que je n'ai pas. Mais je peux aller la chercher tout de suite, la recette, c'est pas un souci. Tu les renvoies en mission. Je vais envoyer la mission de 2 heures. Je suis étonné, c'est que j'ai pas eu de casse encore. La combat. Alors attends, 47 minutes. Je sais que j'ai rien en combat, mais on sait jamais, vu que c'est qu'une étoile, ça peut passer. Ouais, oui, ça va passer. Super. Vas-y. Ah! Trahi par le matériel. Mmh.
C'est 50 qu'il veut, je crois. Hop, range ça aussi, ça fera de la place. Il m'en faut encore deux. Si tu me laisses ici, il faut. Ah bah, j'avais même pas vu que j'avais des trucs en dessous. Très bien, très bien. Ah putain, je suis con. Mais qu'est-ce que je suis con, j'aurais pu utiliser ça. J'ai oublié. Du coup. Puisque je suis là, vas-y. Ah, c'est atroce, hein. C'est atroce en perma, c'est immonde. Qu'est-ce que j'allais faire d'autre? Les vers vivants. Ok. Je l'ai placé comme un bourrin, moi. Pas grave. Go. Donc, j'ai une mission courte, rapporter je, ou réparer un objet. Je me souviens pas. Ça, je crois que ça fait plusieurs années que je l'ai pas faite cette mission. Je m'en souviens pas. De quoi? Ah, mission cargo. Ah, elle est là l'icône que je cherche. Machine endommagée, position approximative. Bah, tant qu'à faire. Coucou à tous. Coucou à tous les longbottes. Noyau larvaire, tu me gardes ça ici. Ça, tout ce que je mets ici, c'est que c'est, on peut les donner. Hop. Moi, je sais comment je vais faire. Hein. Je vais pas m'emmerder pour fabriquer l'essence en perma. En temps normal, ça me dérange pas parce que je gère mieux. Là, en perma, c'est catastrophique. Je vais avoir de l'essence gratos, je vais pas la fabriquer longtemps. Ouais, si, je vais aller dans un système hors la loi et je vais me servir. Hein. En plus, souvent ils donnent, c'est les 200 tonnes. Position approximative, voilà, ça va être ici alors. J'imagine. Réparer un objet. Ah, il va peut-être falloir, ouais, réparer et le livrer, c'est ça? Est-ce que c'est ici? Visiblement non. Elle est validée là. Ah oui, elle est validée. Non, donc c'est pas ici. 1000 mètres. D'accord. Puisqu'on a là, on va jeter un oeil quand même sur ce qu'il y a. Qu'est-ce que t'as toi? Oh là 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 là! C'est B. Non, ça je m'en fous. Trop cher. Ah, le A, il peut m'en donner aussi des modules, mais qu'est-ce que t'as dans ta boutique, Jean-Robert? Ok. Alors, petite astuce. Vous avez vu que j'ai du verre vivant à fabriquer. Là, ça marche pas, mais vous allez voir quand ça va marcher. Je crois que c'est 400 qu'il faut. Voilà. Acide gamma. Pour fabriquer le verre vivant. Même si j'ai pas encore la recette, je commence déjà à accumuler le matos. Je crois qu'il en faut 400 par verre vivant, donc ça ferait 1200. Alors, ouais, 1200, ça va faire quand même au moins 7 ou 8. Il y a quoi sur cette planète là? Lâche-moi le jeu. Il y a quoi sur cette planète moisissure fongique? D'accord. Personne ne vient. Allez les gars, venez atterrisser là. Regardez. J'ai des boissons fraîches. Pas vrai, mais ils le savent pas. Si vous êtes dans un système où il n'y a pas de racine gamma, je viens de voir l'oiseau qui manque. Il veut pas. Super. Sérieux ce jeu. Ouais, si vous êtes dans un système où il n'y a pas de racine gamma,
C'est une bonne solution. Alors voilà, chair de cactus, belouvée d'étoile. Voilà, racine gamma, c'est pas dit qu'on la trouve tout de suite, mais voilà, quoi. Il suffit juste de leur parler. Chair de cactus platine. Ah merde. Quelle partie. Parce qu'en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est le vert? C'est le ver géant? Ah oui. Pars-toi, saleté! Pendant que je suis là, je vais regarder, il manque... Eh! Ah bah non, alors c'est pas sur la même planète. Il te manquait des trucs. Ok. Qui vient d'arriver? Lui. Eh, copain? T'as de la racine gamma? Ah, t'es un bon copain, toi. Je vais te prendre aussi ton caca, merci. Si elle fessionne, c'est bon. En salade, ça passe tout seul. Oups. Oh, petite mer rouge là-bas. Elle est où? Elle est là. Oh, elle est belle celle-là, je vais me la faire, évidemment. Tout de suite. Moi, j'appelle ça une mer rouge. Tout à l'heure, on a eu la mer jaune, là, la mer rouge. Donc là, il y a au moins 400 à récupérer là. J'ai dit au moins 400, je dirais plutôt 600. Protection toxicité. Ça reste beau quand même, hein. Un beau geste. Allez. Et tu vas bouger ton gros cul. Allez, il est capable. Il a surpu un cachou. Allez. Ça va être chaud. Oh, ça passe. Salut copain. Quelque chose me dit que c'est pas mon copain. T'es pas mon copain pourri. Va. Salut copain. La racine gamma, tu as, si t'en as, j'achète ton stock. Non, il a des bulbes d'étoiles. Foiré. Vendu. Eh, machin. Oh, t'as une bonne tête, toi. Tu as la racine gamma, tiens. Non, mais il fait chier, je te le prends. J'en ai combien? Ah, j'en ai même pas 400. Je sais plus si je l'ai vu lui. On s'est parlé ou bien? Oh la gueule. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Solanium? Ouais, mais non, j'ai pas envie. Pas beaucoup de stockage. Combien? 3 sur 5? Ah, c'est peut-être que des volants alors. C'est possible. Il y a de plus en plus de planètes où c'est que des volants. 4. C'est rageant hein, quand il en manque qu'un seul. Regarde ce que c'est. Souterrain. À la saleté. Ouais, j'ai vu la protection, j'ai vu la minute. Robert, est-ce que t'aurais du jaune? Non, il est du vert. Didier, t'as du jaune? Prends le fessium. Personne. Des ballots. Je suis le souterrain, sans déconner. Et il est quelle heure? Il est 10h du matin, d'accord.
Ah, mais le souterrain, il dort à cette heure-là, 10 h du matin. C'est sûr. Voilà Henri. Henri, il en a, lui, c'est sûr. T'en as ou t'en as plus? Il y a que du cristal gelé. Salaud. Bon, je vais pas y passer 3 heures. Ça me saoule. Le problème, c'est que pour les récolter soi-même, il faut installer le gant de protection. Solanium, enfoiré. Caché jusqu'au bout. Oula, j'ai peut-être été un peu. Ça passe, ça passe. Salut mon Christian, comment ça va? Ah oui, je t'aime bien toi. Donne le fécium aussi. Je vais arrêter le fécium. Hein. Ça ressemble à une collection de merde après. J'en ai, hein, mais bon. Pas une raison. Je l'ai vu lui ou pas? Je sais plus. Ils ont tous la même tête, le même vaisseau. Non, c'est bon, j'ai dit stop au fécium. J'arrête le fécium, j'arrête demain. C'est là qu'ils arrêtent la cigarette, moi j'arrête le fécium. Regardez-moi cette horreur. Donc on a la coque du vaisseau du début du jeu, qui est quand même le truc le plus laid, on est d'accord. Non, il y en a qui l'adorent. Tu penses à Papy, qui aime bien. Au moins, il est original, hein. Il est vraiment petit modèle, tri-réacteur, et puis les comme ça. Je sais même pas si je l'ai déjà vu comme ça. Après, c'est pas ma tasse de thé, mais je peux plus le verrer ce vaisseau. Et il y en a qui aiment, Papy, il aime bien. Je suis à combien? Je suis à. Non, pas 177. Ah, j'ai eu peur. 500, ça fait 677. Il me semble que c'est 400 qu'il faut, donc il m'en faut 1200. Je suis à 677 seulement. Ah, merde, j'ai qu'à moitié, quoi. Bon, après, voilà, si on a un peu de chance, ça peut aller vite. Et il me la faut très vite, l'antenne onirique. C'est pour ça que qu'hier, j'ai pas réussi à avoir le vaisseau, la frégate vivante. Parce que il faut passer par l'antenne onirique d'abord. Le jeu, il nous en donne une gratuite et après, elles seront payantes. Ah, y a rien. Et Christophe, il a quoi? Il a cristal gelé. D'accord. Non, tritium, non, chair de cactus. Je l'ai pas fait celui-là, je crois. Si, je sais plus. Et il a juste la tête dans le moteur, mais à part ça, tout va bien. Je vais lui dire bonjour en mettant ma tête aussi dans son moteur. Tout va bien. Oh, fécium, jette-moi, jette. Un stack, ça me suffit. Qui arrive là? Waouh, waouh, waouh. Pas le con. Hop là. Ah putain, j'y croyais. J'y croyais, hein, j'avais vu du jaune. Faut pas que j'oublie que j'ai la mission à faire, je suis quand même là pour ça. Bon, il n'y a aucune chance que je le trouve. Il faudrait vraiment. C'est une inhabituelle souterrain. C'est quand tu veux le. Vous venez, les gars? Regardez là. Je suis con, j'aurais dû virer mon vaisseau de là. Ça aurait fait une place de plus. Mais vu que j'étais pas là pour ça. Système de survie à 50. Encore? Ah, mais il en avait lui tout à l'heure, je crois. Non, il n'en avait pas. Salut, mec! Vois-tu de la racine gamma, s'il te plaît? Non, t'en as pas.
être fouder quand même. T'as une bonne tête, toi, tu vas en avoir, toi, c'est sûr, c'est sûr. Enfoiré. Bon. Il m'en manque combien de trucs? 600. Ah non, j'ai que la moitié, quoi. Fais chier. Cassos, ça me saoule. Ça reste une bonne technique. C'est bien pour un. Et là, j'ai trois vers vivants à fabriquer. C'est un peu chiant. Bon, il n'y en a qu'un. Voilà, je fais toujours ça comme ça. Mais là, trois, ça fait beaucoup. Allez, c'est le dernier. Allez, racine gamma. Gamma. La lessive poids lourd pour laver les camions. Go, Cassos. Donc. Il est où? Il m'avait dit 1000 mètres devant. 1000 mètres devant. Mètres, on y est là. Je vois pas, je pense que c'est un bâtiment qu'il faut chercher là. Ouais, c'est là, c'est sûr. C'est un complexe de prod, ça? Bon, ça m'étonnerait que ça soit là-dedans, là. Non, c'est pas là. Mais on va le faire quand même. Complexe de prod. Donc, particularité, c'est que la porte est fermée à clé. Donc, on lui défonce sa tête. Ça appelle les sentinelles. On se planque, hein, lâchement là-dedans. On récupère les nanites. Ici aussi. Des fois, il y a un petit mot en plus. Bon, là, c'est pas un petit mot. C'est un truc qui est, ouais, qui marche pas, je crois. Ok. Et ensuite, on lit attentivement ce qui se passe. Je m'approche du terminal et recherche un moyen d'outrepasser l'alarme. Je trouve un bouton qui pourrait y faire quelque chose et le presse, provoquant une réponse du terminal. Gravikin. D'accord. J'ai pas les. Donc, les mots en rouge, c'est des mots que j'ai appris. Donc, voilà. Il me manque des mots. Une trappe s'ouvre, un microphone en sort, une voix crie. Ah, je sais. Il faut dire gras. Je m'en souviens. Voilà. Gras, ça veut dire bonjour, salut connard. Ça veut dire ça. Donc, quand on répond bien à la question, ça passe au bleu. Quand on répond mal, on est rouge et on n'a pas ça. Soit vous récupérez du nanite, soit vous récupérez un emplacement d'extension de multi-outils. Les nanites, je ne sais pas combien, mais ce n'est pas non plus énorme, donc je vous déconseille. Et si vous n'avez pas besoin de multi-outils, apprendre une recette de craft. Et ça tombe bien! Le ver vivant, il est où? Il est loin? Ah, il est là. Ah oui, il est loin. Il est loin. Et sinon, ici, qu'est-ce que je peux avoir besoin? Oh, rien. Je vais aussi vous donner une petite astuce, puisque je suis devant, hein, donc ça serait dommage de ne pas vous la donner. À partir du moment où vous avez un cargo, pas avant, ça sert à, avant, ce que je vais vous dire, ça ne vous servait à rien. À partir du moment où vous avez un cargo, je vous conseille de libérer l'acide, le condensat thermique et tout le petit carré au milieu, le carré blanc. Pourquoi? Parce que les frégates vont vous rapporter tous les jours des condensats thermiques, du sel d'azote, du carbone, voire des catalyseurs, voire des semi-conducteurs, voire de la glace chaude. Il faut savoir que ça se vend 350 000 pièces. Mais si vous rajoutez glace chaude, si vous rajoutez un condensat thermique, ça se vend à 1,5 million. 370, 1,5 million. 370, 1,5 million. C'est pareil ici. 370, 1,5 million. Et pareil ici. Donc tout ça, aux frégates sont susceptibles de vous en ramener. Donc c'est pour ça, débloquer très vite ces recettes. Les recettes de craft, évidemment. J'ai appris le premier gratos. Et sachez que vous avez le même. Ce truc-là, vous pouvez le faire en Nexus aussi. Ça va? Tu te fais pas chier, toi? Espèce de con. Alors, je dois aller où? 500 mètres. Je peux y aller en vaisseau puisque je vais pas payer mon décollage. 500 mètres par là. Et 500 mètres, c'est rien. En vaisseau, ça va aller vite, ça. Ça, je prends. Ah, attends, il me manque un souterrain. Il manque juste ça en plus, je crois. Ouais, c'est ça. Inhabituel souterrain.
Là. Je vous avais dit qu'il était souvent devant. Là. 1250 nanites dans la poche à papa. Allez. Du coup, je dois aller par là. C'est quoi comme direction? J'ai pas de direction. Je vais aller sur ma gauche, mais 500 mètres, c'est peanut. Hein. Mais je pense que c'est un bâtiment quand même. Hein. C'est même sûr, c'est sûr. Donc par là. Voilà le bâtiment, il est là. C'est quoi ça? C'est un observatoire aussi, je crois. Il n'y a pas marqué? C'est pas normal. Bon, de toute façon, c'est ici, on est d'accord. Cible à portée. J'ai apporté ma cible. Bijour! C'est lequel? Oh, il n'y en a qu'un. C'est toi qui as besoin? Non, non, c'est pas lui. C'est ça. Qu'est-ce qu'il veut? Hein? C'est bien. J'ai bien. Bon ben voilà, mission terminée. En plus, je récupère un peu de nanite. Enfin un peu. 71 quand même. Y'a rien d'autre là derrière? Non, y'a rien. Ok. Bon ben, merci bonhomme. C'est pour ça, mais qu'il me disait pas. Ah, c'est une tour de retransmission? Ah, ça change tout. Est-ce que je vais avoir accès? Non, j'ai pas accès, c'est con. À cause de la mission, j'ai pas accès à la tour. C'est dommage. Oui, l'agent de mission, mais il m'a fait peur. Je croyais qu'il faut que j'aille. Que j'aille donc, bah, puisqu'on est là, autant se faire ça. Je veux bien un petit module, s'il te plaît. Bah, un S ou un A, ça m'irait aussi. Non, il n'a pas envie. Des fois il veut bien, mais des fois il veut pas. Ok, la sauce. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai fait. Ouais, j'ai fait ma mission. Nickel, la sauce. Non, j'ai pas pris ça. Ça fait une donnée de navigation. L'affichage est complètement dans les choux, comme d'hab. Non, elle est plus bas, elle est plus bas. Il y a deux icônes, mais choisis ton camp, camarade. 30 secondes. Pour ça, ça me saute. Mais c'est. Oui, c'est l'essence que je voulais mettre. Si proche de la planète, la station? Ah oui. Waouh! J'ai pas touché. Ah, classe, classe le pilotage. Top classe. J'avais oublié que j'avais ça en cours de route. Vas-y, vas-y, mon brave. Ah, parce qu'il prend même pas le stack de vin. Non, mais j'hallucine. Ok, alors, donc voilà mon quatrième module de frégate. Ah, le mec, je vais rapporter un objet, réparer l'objet. Super. Récolter la moisissure fongique.
Ah, c'est dommage. Je l'aurais pris tout à l'heure, je l'avais sur moi, c'était bon. C'est ballot. C'est tout, c'est tout. Si on court, ok. Merci, mec. Petit tour sur le cargo pour se vider un peu. Ouais. Ah bah oui, je peux pas le poser là non plus le processeur de nutriments. C'est ballot! Système d'après. Tu vois un peu ton cargo? Qu'est-ce que tu as à proposer? Il est où? Il est devant moi. C'est l'horreur qui est là-bas, non merci. J'en veux pas de ta mocheté. On dirait un cargo Lego. C'est moche. Bien sûr que les Lego, c'est moche. T'as 2 ans ou quoi? Ils arrivent à trouver des gogos à mettre 300 ou 400 balles dans une merde en Lego. Ils ont raison d'en profiter. Hein. C'est pour votre enfant? Non, non, c'est pour moi. Oh, c'est le vaisseau Star Wars. Oui, mais. générateur à l'émeraude, là, c'est pas cool ça. C'est pas sympa. Je peux avoir un système correct, voilà, par exemple celui-ci, florissant, chez nos amis les Corvax. Ils sont les bienvenus, les Corvax. Ils sont gentils, les Corvax, c'est des gentils robots. Faut que je la construise très vite, l'antenne onirique. Trois vers vivants. Des fois, on peut en gagner dans la station. Euclide est découvert par Crown. Crownin. Bah, si tu veux, t'as qu'à casser les cailloux avec ton vaisseau. Ça a été découvert quand? Il y a 8 ans. Donc avant que le jeu existe, hein, ça a été découvert. Planète putréfiée. Acide. Là, il y a de la racine gamma. Ah bah oui, mais ça veut dire qu'il faut que j'installe. Après, je peux l'installer et le désinstaller. Hein. Ça prend que du composant facile. Le gant. C'est vraiment la technologie, on a toujours sur soi de quoi l'installer. Mais je vais aller chercher la racine gamma, comme ça je vais pouvoir le faire. Et c'était quoi d'autre qu'il fallait, à part les vers vivants? Un miroir solaire, d'accord. Salut bonhomme. C'est quoi son nom? Catalyseur organique, ça c'est du beau cadeau ça. Elle prend une photo d'une créature terrestre? Bah oui, je la prends. En plus, il t'en donne 5. Je prends, je prends. Tu es 2 prédateurs, je prends. Tu es 1 prédateur, je prends. Et puis c'est tout. Mais c'est bien déjà. Qui c'est qui est là? Transporteur classé. Navette classée. Navette classée. Et là, c'est moi. Ok. Est-ce qu'on a une petite panthère rose? Un petit voyageur là? Y a pas un voyageur qui traîne dans les couloirs? Non? Non. Ah, pas de voyageur. Colonel, on est chez les marchands. Marchandons, alors marchandons. Ah, ils donnent des semi-conducteurs. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, les semi-conducteurs, ça se revend à 350 000. Mais si vous lui ajoutez un petit compo, on peut le revendre à 1,5 million. Donc ça vaut le coup quand même. Carburant, je prends dans le vaisseau. Hyper noyau, pareil. Et qu'est-ce que tu veux, mon brave? Kit de réparation, ça m'arrange pas. Mais vas-y. Et données récupérées, oui, c'est fait pour ça. Quoi d'autre? Cloison. Tiens, regarde les vers vivants là. Mais sauf que c'est dans les données. Ah non, je te l'aurais pas donné.
Non, mais tu crois que quelqu'un va te donner une cloison de cargo? Tu rêves, mon grand. Mais personne va te donner ça. Compresseur de vecteur, je vais regarder s'il n'y en a pas à la boutique. Compresseur de vecteur, je sais plus si on trouve ça à la boutique. Compresseur de vecteur. Boutique, elle est là. Non, elle est pas là? Ah, elle est là. Compresseur de vecteur. Nous verrons dans la guilde des marchands. Ok. Moins 14% sur le câblage, sympa. Tritium, j'en ai pas besoin. Ouais, j'ai besoin de rien. Mais... Ok. Compresseur de vecteur, ils peuvent en avoir eux? Je crois pas. Hein. Il me semble pas. Non. Mais par contre, je lui achète ça. Ok, merci. Non, vu que j'ai pris un rang, il y a peut-être du coup des choses de nouveau accessibles. Non, bah non, du coup non. Il y avait un module de frégate à récupérer, bordel! Attends, on peut pas blouser le truc? Non, je peux pas le blouser. Non, ok. Tant pis! Des sous à récup là? Non. Alors, monsieur vaisseau, ouais. Ah, mais j'ai pas mal. Ah non, je crois que c'était le cube. Monsieur vaisseau, il me faudrait. Décollage, non. Et un fracouteau non plus. C'est hyper propulsion, j'avais besoin, mais. Tu n'as pas, hein, c'est pas grave. Hein. Ah, je croyais que c'était un. Mais ça n'en était pas. Bon, c'est vilain. Hein. C'est vilain en classe B en plus. Mais ça aussi, c'est vilain. Mais tout est vilain. Ça, c'est pas vilain par contre. Je prends. Non, tu veux mettre où je te dis. Ici. C'est pas toi qui décides. Tu décides de rien. Tu prends ton pognon et tu fermes ta gueule. Qu'est-ce qu'il a à choisir l'emplacement, ça va bien. mission, je sais plus, il y avait rien. Non, si j'ai pris du prédateur et tout ça, il n'y avait rien de transcendant. Je suis comment moi? Il faut que je passe, faut que je passe au cargo du sodium, ça dégage. Ah quoi que attends. Ah, attends. Il y a un truc à faire là. Voilà, plutôt que de les gaspiller, j'allais les jeter. Voilà, oh, ça fait 9, c'est pas non plus. Ah bah il t'en reste 2. Pff, non mais t'es sérieux. Il m'énerve! Dégage. D'accord, il y a des choses à ranger dans le frigo. Et mon quatrième module de frégate. Il y a des choses à ranger dans le frigo. Et ça, j'aurais bien. Je vais passer sur le cargo pour laisser tout ça. Cargo sur cette partie me sert essentiellement de stockage. Je sais plus si dans ce système, on va le rappeler. Oula, oula. Oh, petit coup de frein, mais non, mauvais. Non, mais t'es mauvais, là, dis ça. Mais ouais, d'accord. Je croyais qu'il voulait pas me laisser rentrer. Salopard. Il y a quoi recharger? 41. Ouais. Ah bah oui, mais oui, ça alors. Alors, allons-y. Oh là là. Je fais nimp. Je vais me les ranger dans le coffre, hein. Je viendrai le fabriquer ici. Et je peux pas tout laisser sur le cargo vu le peu d'emplacement que j'ai. Donc ça, coffre et coffre. Ok. Ça, je voudrais bien le ranger dans mon frigo.
Ça aussi d'ailleurs, ça, dans le conteneur, et bah, c'est bon, ça suffit. Ça suffit. Et ah, si, peut-être dans le vaisseau, il y a quoi? Dans le vaisseau, non, on garde tout ça où c'est. Je garde tout ça, c'est bien. Ah, si, ça, voilà, je savais bien que j'avais un truc. C'est les stacks de combien sur le cargo? Ah, plus de 1000 déjà? Bah bien, ça m'arrange. D'accord, ok. Allez, go. Ah, mais je les ai pas envoyés. Mais pourquoi? Mais si, j'ai envoyé. Ah, je suis sûr, j'ai envoyé la combat. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je l'aurais pas fait? Pourquoi? C'est quoi? Ah, parce que j'avais pas d'essence, c'est ça? Il y a un truc qui m'échappe là. Donc j'aurais fabriqué l'essence et après j'ai oublié de le renvoyer. Possible. Salut Jane. Comment ça va? Alors, excitation va bien? Donc j'ai ça rangé dans mon frigo. Ok. Et ici on est bueno. Allez go, cassos. Ouais c'est ça, j'ai fabriqué l'essence, j'ai oublié de les envoyer. Mais quel abruti. Ouf. Ça va. Ça va, ça va. Je sais pas ce que je dis ça parce que je suis poli. Changeons de système. J'ai toujours pas retrouvé ce que je. Ah ben non, 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 ben non. Mais qui est con ce mec? Dégage! J'avais dit que j'allais chercher le truc à la main là. Bulbe d'étoile, c'est pas celle-là. Il y a des eaux anciens là, sympa. Elle est où la planète où il y en a? Moisissure fongique. Ouais. Solanium, c'est bon, ça va être la dernière, évidemment. Ah bah non, ça c'est une. C'est pas celle-là. Elle est où? Bon bah elle est derrière. Putain, j'en ai marre. Elle est derrière celle-là. Elle est pas derrière. Non, ah si, elle est. Ça va être celle-là. Oh, puis elle est un peu jaune, mais ça va être celle-là. Allez! C'est pas celle-là non plus. Ah! Je suis con ou je suis con? On est sur fongique. Eh ben, racine gamma. C'est la bleue. La perle. Ah, j'ai cru que c'était. J'ai cru que c'était une planète de glace, c'est ça? J'ai confondu? Elle est où? Elle est où la bleue? Tu sais que tu es en train de me chauffer la tête là, ça me gonfle. Elle est où la planète bleue? Elle n'a pas l'air d'être derrière celle-là non plus. Non, elle est pas là non plus. Tu me fais chier. Y a même pas d'autre mot. Tu me fais chier. Je l'ai vu tout à l'heure la bleue, non? Là. Ah mais vas-y. C'est celle-là. Ah oui, j'avais dit que c'était une glaciale. Et ben non, c'est. Ah ben si, c'est une glaciale. T'es con ou t'es con? Qui a volé la planète bleue? À moins que ça soit. Et pas derrière non plus. Non, mais tu te fous de ma gueule, le jeu. C'est une lune? Non, c'est une planète en plus. C'est même pas une lune. Elle est près de celle à anneau. Il est où l'anneau? L'anneau, il est là. Elle est.
Il n'y a rien de près, donc elle doit être derrière. Il n'y a que dalle derrière. Il n'y a rien. Il n'y a rien, Dyson. Non, lance pas ta manette, tu vas le regretter après si tu le fais. Je me connais. Je me connais. Moi, c'est celle-là. Non, planète gelée. Non, puis c'est même pas le bon nom. Un, deux, trois. Quatre. Il y en a combien? Il y en a cinq. Donc, il m'en manque bien une. Eh ben... J'ai le cerveau qui bouillonne. Je suis en train de perdre patience. Je viens d'en compter 5 et je la vois pas. Solanium 1. Bulbe d'étoile 2. La gelée 3. Elles sont en plus en alignement. 4. Moisissure fongique. Je vous jure, j'ai mal à la tête tellement j'ai le cerveau qui chauffe. J'en ai que 4. Je la vois nulle part la cinquième. De toute façon, elle est forcément derrière une. Elle est forcément derrière une. Peut-être derrière celle de gauche là. Ça a pas l'air. Hein. Ça a pas l'air, messier. Ouais. Je suis désespéré là. Le pire, c'est que je vois les 5, mais elle est pas dans les 5. Ok, j'ai atteint la limite de ma patience. C'était déjà pas mal, je suis resté assez longtemps déjà, me connaissant. Non mais là, c'est avoué, avoué, avoué. Allez-y, avoué. C'était abusé là, non? On est d'accord que ça venait pas de moi. Toi qui t'annonces 5 planètes, j'en fous de partout, il y en a 4. Moquez pas de moi, s'il vous plaît. Je suis suffisamment mauvaise comme ça. Merci. Qu'est-ce qu'on a? C'est une froide, c'est clair, cristal gelé. Brûlante au solanium, évidemment. Ça doit être une sèche. La chair de cactus, non? Non? Eh oui. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Et à celle-là. Sporifère. 4. Et 5. Je n'ai pas regardé combien il y en avait de base. Planète de magma. D'accord. Évidemment, il y en a 6. C'est les nerfs. S'il vous plaît, pas taper. Vas-y, vas-y, la sixième, t'as qu'à te la foutre au cul, connard. Saleté de jeu de merde. Oula, où ça pique? Oh, ça pique fortement les yeux, là.
Ah, j'en prends plein la gueule. Ah, ça... Oh putain, mais c'est pas possible. Bah après, ça a de la gueule, d'accord, mais. Waouh! Et je vous jure que ça me brûle les yeux. Waouh! C'est abusé, quoi. Donc, on a du verre et du verre, quoi. Pourtant, je leur ai déjà dit, un verre ça va, trois verres. Ouais. Chasser les pirates pour des données récupérées? Non, merci. Tuance créature, augmentation de stockage. J'aime. Et prendre une photo, alors j'aurais pu, mais vu que la récompense est merdique. J'en veux pas de ta mission. Allons voir si on a des. Déjà, est-ce qu'on a un petit collègue. Petite panthère rose là qui traîne? Non, il n'y a que dalle ici. Et non. On a un Corvax, on a un Viking. Qui c'est qu'on a là? On a un guide des marchands. Voilà, comment il pique les yeux le truc. Glace chaude, alors ça je prends, je sais plus quoi en foutre avec. Non, là. Ça je prends, l'or je m'en fous. Ah, augmentation de stockage. Qu'est-ce que tu veux, bonhomme? Les données récupérées, prends. Quoi d'autre? La fibre supraconductrice. Je vais voir s'il n'y en a pas à la boutique. Fibre supraconductrice. Oh, j'entends un drôle de bruit, mais dis pas qu'il pleut là. J'entends un énorme bruit dehors. Je crois que si. Fibre supraconductrice. Je vais en prendre 3. On est à moins 2% sur le câblage. 3 parce que généralement il les prend par 3 les trucs. Attendez, je vais juste regarder parce que je suis curieux. En effet, on a eu un super soleil tout l'après-midi et là, on a juste un déluge, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, 3 fibres. Pim! Pourquoi il me dit pas maximum atteinte? Je pouvais y en donner plus? 1, 2, 3. Attends, mais si je peux y en donner plus, je prends. Eh! Prends. Oh putain, je me fais toujours avoir avec la boutique. Elle est là. Prends-en 6. M'en fous du prix, rien à péter. Il y a les moments, faut savoir lâcher les cordons de la bourse. Attends, si t'en veux plus, je t'en donne plus, mon bon ami. Ah oui, il y a carrément des éclairs. D'accord, aussi, si tu veux. Alors. Ah non, il veut pas. D'accord. Non, ben pourquoi là il me dit pas? Ah bah d'ailleurs le message tout à l'heure pour les données récupérées, il ne le dit plus le message. Ah oui, d'accord, il y a un beau ciel dégagé là-bas et juste là où j'habite, il y a un énorme nuage type soucoupe volante. Et là c'est impressionnant. Et il pleut à verse et il y a du tonnerre, tout va bien. Ok, bon obtenir du coup glace chaude, non ça m'intéresse pas, mais merci, merci du geste. Ouais, on dirait. Vous savez, comme dans Indépendance Day. C'est impressionnant. Un bel orage isolé. Ouais. C'est surtout que juste à côté, je vois un beau ciel bleu, quoi. Il faut dire que j'ai un balcon avec une vue énorme sur toute la vallée et la montagne. Donc, voilà, quoi. Ça fait un peu peur dans ce cas. Ouais, mais j'ai pas peur. Hein. S'il y a les extraterrestres, au contraire, on va s'amuser. Qui viennent, je les attends pied ferme. Je vais leur botter le cul, moi. Au contraire, qu'ils me détruisent toute cette planète de merde, qu'on n'en parle plus. Regardez, oh, un petit multi-outil ukrainien. Non, merci. J'en doute même pas. T'en doutes de pas de quoi?
C'est ce que je dis. Ah ouais, moi, rien à foutre qu'ils détruisent la planète. J'y tiens pas. J'y tiens pas spécialement. Donc, y a rien d'autre qui m'intéresse. Ah ben si, je suis con, moi. Je suis ici pour un truc précis, en plus. Bonjour, monsieur le vendeur. Oh, ça serait trop marrant. On voit ça que dans les films, c'est pas drôle. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Il n'y a rien. Il n'y a pas de rose? Eh ben voilà, c'est celui que je veux. Merci. Bah oui, ici. On va pouvoir aller un peu plus loin. Ah, par contre, c'est con, j'aurais voulu le mettre là. C'est trop... Oh, c'est nul, 187. Ah oui, ouais. Alors attends, on va se jouer différemment. Je te démonte pour te mettre là, je te démonte ta gueule. Toi, tu vas là, et toi, tu vas au milieu, et toi, tu vas là. Je ne suis pas certaine de vivre une invasion. Ah, moi, j'adorerais. J'adorerais ça, moi. Et avec un gros rayon, ils explosent la Terre. Oh. Et la morale, puisque les terriens ont sacrifié leur propre planète, autant la détruire. Et ben voilà. On n'en veut pas de la planète vu ce qu'on lui fait subir. C'est qu'on n'en veut plus, on est d'accord. Quand je dis on, je suis pas trop dans le tas. Je suis un gentil, moi. Mais même si je m'en fous un peu, mais je fais rien en tout cas contre. Donc voilà. Qu'on nous la reprenne puisqu'on a, voilà, on l'a cassée. J'ai encore un peu d'essence, d'accord. J'ai 10% et 10% ça me suffit. Bah écoute, si tu le dis, je veux bien, moi. Ouais, on l'a cassée. Sauf qu'on n'en aura pas une autre. Hein. Ah bah non, faut pas déconner. Viking, ouais, encore Viking. Ouais, vas-y. C'est vrai que c'est impressionnant. Surtout le contraste entre l'énorme nuage qui est gris foncé, et le ciel bleu qu'on voit tout de suite à côté. C'est impressionnant. Ah bah, il nous fait payer l'après-midi de soleil qu'on a eu. Hein. Depuis midi, je crois qu'on a un soleil, mais un truc de dingue avec 23 degrés. Ça se paye, ça se paye. Je suis rentré dans la bagnole, je vous raconte pas. Il faisait 30 degrés dans la voiture. Sympa la station spatiale. Je suis pas sûr que je l'ai. En tout cas, au pire, je l'aurais pas sous cet angle-là. J'aime bien. Joli, pas mal. Vamos à la station. On ira voir les planètes après. Un petit violet et puis avec un bleu vert émeraude. Ouais, bleu vert. Moi, pour moi, ça tire plus sur le bleu quand même. Bijour! Je vais pas à me plaindre. Il fait 16 avec un beau soleil jusqu'à les. Ah, tu vas la voir l'éclipse d'où tu es? Ils en parlent ici à la télé, tu parles. Bah, tant qu'il n'y a pas de meurtre d'enfant, ils parlent de ça. Enfin, je dis ça, mais si, si, meurtre d'enfant, on en a eu plusieurs. Ah, c'est cool. Mais tu seras au boulot, tu vas pas voir. Ah, non, je ne sais pas quelle heure elle passe chez vous. Bah, si, c'est en journée, de toute façon. Ragoût abyssal, non, merci. Éclipse partielle, c'était pas une éclipse totale? Et alors, vous allez sortir ou non, même pas, ou tout le monde s'en fout? Comment ça se passe? Ah, pour ta région, d'accord. Est-ce que vous allez sortir ou votre patron, il est trop con? Représentant, salut Joachim. Souffrine, hyper noyé. Bah ouais, mais au bout d'un moment, je vais pas en faire une collection de ça. Je comprends bien, mais bon. C'est sûr que c'est chiant de dire non. Alors, qu'est-ce que tu veux? Des données récupérées, j'en ai plus, c'est ça? Ah si, j'en ai là.
On peut regarder s'il y a un coordinateur de téléportation. Coordinateur de téléportation interlunaire aussi. Ça tonne, hein, je ne sais pas si vous entendez, mais ça tonne. Coordinateur de téléportation interlunaire. Coordinateur de téléportation interlunaire. Putain d'affichage de merde, mais c'était sérieux. Non, il n'y a rien. Lui demander, je suis certaine qu'elle me dirait oui, mais comme je quitte à 16h, voilà. Ah oui. Ah, tu pars une heure plus tôt. Tu pars une heure plus tôt pour la récupérer. Ouais. Ah bah du coup, tu la verras alors. Du coup, si tu pars une heure plus tôt, ça, elle est à quelle heure? C'est prévu à quelle heure? Du coup, j'ai plus besoin de module ici chez lui. Il m'a même accordé. Oui, mais l'éclipse, elle est à quelle heure du coup? 15h15? Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Je vais pas choisir ici. Non, non, je vais choisir là. Je fais ce que je veux. Hein. C'est mon sou. Hein. C'est mon sou. Rien d'autre? Putain, ça tonne de sa race. Attendez, je vais vous ouvrir là. Vous entendez? Punaise. Je suis sûr que vous avez entendu. Ça gronde en discontinu en plus. Ah oui, c'est un gros orage. Du coup, le ciel bleu, il s'est barré, il n'y a plus rien. Ah si, il est de l'autre côté, il a tourné. La soucoupe volante, elle a tourné. Le ciel bleu est à droite maintenant. Ah bah, il y a du vent, donc les nuages passent vite. Mais ça tonne en discontinu comme ça, c'est dingue. Oh là, il y a les éclairs. Je vais me prendre un éclair sur la gueule, moi. Salut, Artus! Waouh! C'est de pire en pire! Je vais aller voir le petit caveau là. Fréquence. Oui, ça va, on a compris! D'accord, Cassos. Voyons voir un peu ce qu'on a comme planète. Non, mais je m'en fous des messages. Numéro inconnu, je décroche pas quand c'est un numéro inconnu. Cristal gelé? Ouais, c'était pas évident, mais si tu le dis, je te crois. On risque de perdre. On risque de te perdre avec la coupure d'électricité. Ça me ferait chier d'être coupé au prix où je la paye électricité, putain, ça me coûte un bras, moi. C'est une semaine de boulot pour payer ma facture mensuelle d'électricité. Hein. Non mais c'est dingue. Je paye juste 4 fois plus d'électricité tout seul que quand on était 3. Bah c'est l'augmentation, hein. Ça a augmenté de 40% hein, pour les particuliers. Mais ça choque personne. Là, il y a l'essence qui arrive à 2 euros, mais ça, c'est pareil, ça choque plus personne ici, tu vois. On est résigné. On sait très bien qu'on a de la politique de merde, donc c'est même plus la peine de se plaindre. Ah ouais, les séances, j'en ai vu aujourd'hui à 1,98, donc tu vois. Tout va bien. Ah oui, je savais que j'avais plus de carburant. Ça cogne fort, par contre, ça cogne assez loin de chez moi, donc. J'allais faire quoi? J'allais faire de l'essence. Ah bah l'essence, j'en ai. L'été, les vacances arrivent. C'est certain que ça augmente. Oh non, ça n'a rien à voir, mais. Non, non, mais bon. On est résignés de toute façon, nous, ici. Je vais pas te demander à combien elle est l'essence chez toi parce que déjà tu vas me parler en dollars canadiens donc je sais pas au niveau de la conversion combien ça fait. Mais en tout cas ouais, ça fait cher. Hein. Surtout que vous êtes en litres vous ou en gallons comme aux États-Unis. Je sais même plus combien ça fait un gallon.
Ah ouais? Non, non, ici ça dépend. Mais... En tout cas, c'est cher. Oh putain, ça pleut bien. Enfin, ça pleut droit. Tu sais qu'il n'y a pas une goutte d'eau sur mon balcon. En litre. Ah, j'ai pas vu. Je dirais en euros, c'est 1,20€. Au litre? 1,20€? Putain! Bon, je vais pas me faire mon plein chez toi parce que ça reviendrait cher, mais. Ah bah oui! 1,20€. Ah oui, en effet, oui. Ah non. Nous, ça fait combien d'années qu'on n'était pas à 1,20€? Ça fait au moins 10 ans, non? 1,20€? Ah ouais, je dirais pas loin de 10 ans, non? S'il y a les Français là qui m'entendent. L'essence à 1,20€, oui, ça fait bien 10 ans qu'on n'a pas vu l'essence à 1,20€. Bah ouais, mais t'as qu'à taper dedans si tu veux. Ça pleut bien droit, le balcon est même pas mouillé, tout va bien. Un énorme moustique, il est pas chez moi là. Non, non. Attends, du coup j'ai un doute. Non, non, il est pas chez moi. Il voulait rentrer chez moi. J'ai allumé la lumière donc forcément. C'est pas parce que j'allume la lumière que vous êtes les bienvenus. Enfin, le bestiole. Waouh, ça pleut très très fort là. Putain. Douze créatures, je prends. Scanner la flore pour une augmentation de stockage, ça vaudrait le coup, mais. Les sentinelles, vas-y, prends-les aussi. On va stacker. Voilà. J'ai pas de bonne récompense. Waouh! Écoutez-moi ce bruit de pluie, écoutez! Ah, par contre, je comprends pas. Il y a un mec qui est en train de mettre des cartons sur sa voiture, je vois pas. Ah, c'est de la grêle. C'est de la grêle qui tombe. C'est pour ça qu'il faut les cartons. Putain, un déluge de dingue! Mais mon balcon est pas mouillé toujours, tout va bien. Ah non, bah, il m'en ferait plus que ça qu'on ait une coupure d'électricité. Non, 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 ça tient. Ça tient. Ah, j'ai cru voir un voyageur, non? Ouais, je t'ai vu. Guilde des marchands. Monsieur le marchand. Ver vivant, il me le donne? Je le paye. Ça m'emmerde, mais je vais me l'acheter quand même. Je vous avais dit que j'en trouverais là tout à l'heure. Le carburant, je vais pas le prendre, faut que je vois. Ah ben ah non 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 non. Ah ben non, je te le donne pas, j'en ai besoin. Et j'ai plus de j'ai plus de... Ah si, j'ai encore des données là. Ok. Noyau de fusion, faut que je regarde s'il y a du noyau de fusion. Ah non non, le ver vivant, c'est pour ma gueule. Noyau de fusion, est-ce qu'on a des noyaux de fusion dans la boutique? Ah, un petit solaire. Classé. Noyau de fusion. Putain, le truc de dingue. Noyau de fusion. Vas-y, achète-moi-en 6. Tu me les mets dans le vaisseau. Nice! Malin, le lynx! Chambre à mine, je crois que je l'ai pas ça. Je vais en prendre 5. Du coup, il y a plein de gens qui sont sur les balcons. Ah bah, tu m'étonnes. Oh, putain, les morceaux! Il y a des morceaux qui arrivent sur mon balcon. J'ai des grêlons qui font bien 2 cm de diamètre, là, largement. Punaise! C'est dingue! Oui, je sais, il y a pire, je sais bien. J'avais vu une fois la météo au journal télé, je sais plus où en France là, et il tombait des grêlons de la taille d'une balle de tennis. Vous imaginez? Oui, ma voiture elle est dans un box. De la taille d'une balle de tennis.
Ça trouait les toitures, ça trouait les abris de piscine, ça trouait tous les trucs. L'autre, il arrive à je sais pas combien de kilomètres heure, la taille d'une balle de tennis, imagine. Là, tu peux rien faire, hein. T'as juste à pleurer. Non, tu les auras pas, mais mon ver vivant. C'est mon ver vivant à moi. Qui est des marchands. Oh là, ils sont pas si gros là, c'est la taille d'une bille. Prends la guilde des marchands. Bien, bien, bien. Faut que j'aille voir le sieur au machin avant qu'il disparaisse. Salut Roger. Panthère rose. Je vais l'encourager à continuer. Merci. Voilà, tu me donnes des nanites, merci. Tu m'en donnes 97, regarde, je vais t'en redonner 100 moi. Parce que je suis un bon garçon. Merci. Je l'ai acheté ça? Non, je l'ai pas acheté. Vas-y, vas-y, 80 000. C'est des centimes ça, 80 000. J'ai besoin de rien? Non, je ne crois pas. Besoin de rien, envie de toi. Besoin de rien, envie de toi. On n'a pas un petit S là qui traîne là? Non. Non, ok. Ah, la tombe. Je savais que j'avais un truc à faire. Ah ben, le gros nuage, il n'est pas venu faire de la figuration, moi je te le dis. Hein. Le sous-réacteur, trop près de la station spatiale. Et ta sœur, elle est trop près de la station? Sérieux. Et alors ce fesse, d'accord. T'es en train de manger, Jane? Bon appétit. Oh putain, j'ai laissé ma chambre ouverte. Oh ça va, j'avais le store, donc ça risquait rien. Vu la taille des grêlons, il risquait pas de passer à travers. Alors. Ici, go. Je les prends ça ou pas? 255, ouais, tu peux les prendre. Sont où? Ok. Combien? Cinquième, non? Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on a, à quoi on a eu le droit? Un cadeau? Oh, de la merde. Tant pis. Laisse-le ici. Qu'est-ce que je venais de voir? Ça, je l'ai vu par contre dans le vaisseau. Merci. 500. Ah, j'ai deux stacks, d'accord. C'est mon troisième. Ça marche. Ah, bah, j'ai pas rangé mon fessium en fait. On va ressortir le frigo. Alors, on va ranger le fessium. Ah, oui, l'oxygène, on peut pas. J'avais oublié ce détail. J'étais persuadé qu'on pouvait. Après, je peux la changer, je peux la transformer. Je peux la transformer en carbone, mais bon, ça va me faire chier. Et dans le vaisseau, est-ce qu'il y a des choses à mettre dans le frigo? Non. Non, non, il n'y a rien. Ok. Ok. Reprends ton frigo. Voilà. Une grotte. On a combien d'animaux là? Oh, 10, non, c'est bon, j'ai la flemme. De toute façon, je sais pas compter. Donc... je les prends, ça? Est-ce que j'ai de la place? Non, je suis à 500, c'est bon. Ok, bah, cassos.
J'aurais d'autres affaires ici. Qu'est-ce que t'as à vouloir m'agresser, toi? Saleté. Il y a un mot dans le coin? 104. 104, 104, c'est juste à côté, quand même. Quand même. Ah, j'ai regardé la vidéo de notre ami en commun ce matin. Calmez-vous, Jane, calmez-vous. Ah bah je voulais pas te tirer dessus, mais si tu restes à côté du truc, forcément. Et puis du coup, vu qu'il y avait qu'une seule vidéo à voir, il n'y avait pas fait de 32 deep ni caisse. Du coup, j'ai fait toute la matinée sur le stream de Papy. Il y a Ad qui est passé, il y a Chris qui est passé, évidemment. Donc voilà, ça m'a fait mon son. Cassos de là. Comme ça, le temps il passe plus vite. Puis au moins je pense pas à mon boulot. Parce que j'ai un boulot où il n'y a pas besoin de penser. Je dois juste être actif. Donc comme ça, quand j'écoute du podcast, je pense pas à ce que je fais. De temps en temps, le patron il passe, il entend le son, il passe pour voir si je regarde la télé, comme il dit quoi. Sauf que moi je mets mon téléphone, il est retourné donc. Il vient voir comme ça, il jette un coup d'œil. Pas besoin de l'image. Bah, il a raison, je ferais pareil à sa place. Quand j'écoute de la musique, il dit rien. Mais il entend que ça parle en direct, bon. Il vient se voir si je suis productif. Enfin, ils aiment bien ce mot-là. Ils aiment bien le mot productif. Il faut produire, Addison, il faut produire. C'est le cargo, c'est la moche qui est là-bas. Et, d'accord. Alors je produis, je fais que ça, je produis. Je produis toute la journée. Oh! Testation rouge. Ouais, avec mon vaisseau rouge, c'est classe. Superbe. Une habitude à prendre. Tu es sentinelle? Oui, c'est une habitude à prendre, comme une autre. Alors. Oui, j'ai pas envie. Sentinelle, prends-la parce qu'il y en a d'autres. Ah, surtout qu'en plus, pour l'équipe des réparations, c'est bon à prendre. Ah! Alors, les voilà, il m'en faut qu'un. Donc, celui-ci, ça me fait un peu chier. Scanner la flore. Je vais voir. Je vais peut-être prendre l'artefact quand même. Parce que scanner la flore, il va me mettre dans un système à côté, je pense. Alors que là, il y a des chances que ça soit dans le système où je suis. On va le savoir très vite. On va le savoir. Il est juste à la ramasse. Les coordonnées indiquées pour trouver l'indice. Ouais, ça marche. Bisous. Ben, on se verra ce soir. De toute façon, je serai online. Je serais peut-être sur le subsistance solo. C'est possible, je sais pas encore. Salut, tes souhaits. Alors, qu'est-ce qu'il a à me donner? Un module? Ça marche pas, merci d'être passé. Un module, bah c'est gratuit, donc... et en plus, protection sous-marine. Ouais, en plus il est gratos, donc vas-y, récupère-le. Le carbone condensé, évidemment, je vais pas le laisser. Ça serait complètement con de le laisser. L'hypernoyau, je prends dans le vaisseau. Et les batteries à ions, je les prends dans la combi. Bien! Qu'est-ce que je peux lui donner? Oh, j'ai rien à lui donner. Comment ça, cristal tempête? J'en ai! Un noyau à dalle, j'ai aussi. Alors, attends. Cristal tempête. J'en ai pas gardé dans le vaisseau? Je suis un peu con.
Ah non, noyau à dalle, j'en ai plus. C'est le noyau de larvaire que j'ai. Mais si, mais il est pas sur le cargo. Non, mais cristal tempête, je vais en chercher. Je vais en chercher tout de suite. Oh, quelle horreur ce vaisseau, regardez-moi ça, il a qu'un bras. Pas de bras, pas de chocolat, c'est connu. Allez, on va chercher trois cristaux de tempête. Et en effet, c'est bien ici qui... D'accord, en plus, il y a de la mission qui est là. Donc, la mission, je sais déjà plus ce que c'est dingue. J'ai même pas la mémoire d'un poisson rouge, hein. C'est pire que ça. Ah! Ok, c'est pas grave, on va aller appeler de là-bas. Il veut quoi? Emplacement de l'indice. Je sais même plus ce que c'est comme mission que j'ai pris. Localiser. Ah, site de fouille, d'accord. Pourquoi un indice? C'est pas le site de fouille? Appel d'urgence? Non. Je scanne la planète quand même parce que si c'est sentinelle agressive, ça va. C'est une froide. Je m'arrête là pour. Pour lui, je récupère les trois cristaux. Je peux les avoir d'ici ou pas? Oui. Ah putain. Ouah, t'es sérieux le jeu? Ouais, il fait des multiples de deux. Pourquoi je sors, j'avais pas besoin de sortir, mais bon, ça a sauvegardé. Alors, la mission, elle est où? Oui, comment ça se fait un indice? C'est pas directement le site de fouille, là? C'est pas cool. Bah, d'une, je fais celle-là parce qu'elle est dans le système, et en plus de ça, du coup, il y a des chances que je rapporte un objet jaune, hein, avec un peu de chance. À revendre à 1,5 million, 2 millions. Oui, c'est vrai, il y a les capsules de sauvetage, mais je les fais pas, j'ai la flemme. Je préfère acheter les trucs finalement. Ah non, position approximative, mais tu j'avais pas vu. D'accord. Et il n'y a pas de bâtiment autour, c'est ça? D'accord. Au moins un bâtiment, il y a forcément un bâtiment. Putain de scanner de merde. T'es sérieux là? Ah, qu'est-ce que ça peut me faire chier les positions approximatives? T'as forcément un bâtiment. Le jeu! Ah, oh, il peut pas être si loin, il peut pas être si loin, le bâtiment. À moins que ça soit pas un bâtiment qu'on cherche, mais il trouve aucun bâtiment en tout cas. Là, il y a un bâtiment, mais il le voit pas, cet abruti. Et à tous les coups, c'est ça. T'as beau scanner 10 fois, le truc il le voit pas. Bah voilà, c'est ça, bien sûr. Bien sûr, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il me veut? C'est les nerfs. Vous voyez comme quoi faut tuer les animaux. Oh, la mordite. Je suis étonné que j'en ai pas plus que ça. Ah, j'ai dû la ranger dans mon coffre, dans le cargo, je pense. Ouais, j'espère que c'est pas une position approximative, c'est bon. Je prends. Ok. Go. Ouais, t'as qu'à planter le nez dans la neige si tu veux. Alors, on est à combien? 18 secondes, ça va, ça va.
seconde. Ok, en plus de ça, moi, ce que je vois, c'est que je vais récupérer 3 clés en plus. Eh oui, malin le lynx. Allez, go. Putain, sérieux. T'es sérieux le jeu, là? Ah bah si je peux pas creuser, je fais comment? Ok, bon bah laisse tomber celle-là, qu'est-ce que je te dise? Bah, c'est con pour mes clés du coup. Oh, putain. J'adore le bruitage. Attention. Quarante mètres. Ah bah oui, quand même. Hein. Quand même. Et en plus, il n'y en a que 6 des clés. C'est con. Je crois pas qu'il y en a 7. On va voir. Je vais faire un détour. Je vais quand même essayer de l'avoir, évidemment. J'ai mes 3, mais bon. Bon, on aurait dit qu'il était ouvert. Eh oui. Alors si je peux y baiser la gueule, mais je crois pas. Hein. D'accord. Pour quelle raison je peux pas creuser ce monticule? Ah ben je suis un peu têtu, donc c'est sûr que ça aide pas. Je voudrais juste connaître la raison en fait. Hein. D'accord, là je peux. Donc, si là je peux, faut aller où? Là je peux pas. À quel moment tu me donnes l'autorisation? Je peux pas aller plus en profondeur. Il veut pas, il veut pas. Ok, c'est pas possible visiblement, il n'y a rien à y faire. Je sais pas pourquoi. Le jeu veut faire chier, c'est tout. J'en ai combien? Eh ben oui, évidemment que j'en ai que 5. Je vais regarder s'il n'y en aurait pas une autre qui traîne. Là, c'est la grande caisse. Voilà, il y en a pile 6. Non, non, il y en a que 6. Ok. Bon, c'est con parce qu'il va manquer une clé pour le. Du jaune? Non, pas de jaune, du bleu. Même pas, tu me l'affiches? T'es sérieux? C'est si merdique que ça? À moins qu'il ne l'a pas prise. Il l'avait pas pris l'enculé. Oh là là. Bon, en tout cas, c'est un jaune.
Un jaune à combien? Ah, c'est beau celui-là. C'est quasiment la somme maximum, hein, 2 millions 2. Ah, il est beau, il est beau, il est beau. Bon, et vu que je suis un gros con, je vais voir si je peux pas avoir. Ah, mais ça, on s'en fout. Ça veut pas, hein? Enculé de jeu. Attends, on peut pas essayer de l'avoir à travers. Il suffit. Tout dépend comment il est par rapport à la surface. Des fois, on peut choper la hitbox. Comme par exemple, quand il y en a un dans une grotte, et ben on peut arriver à choper la hitbox. Non, mais j'ai l'impression qu'il est. Il est à ce niveau-là, mais. Ah non, il est trop profondément enfoui, c'est dommage. J'aimerais qu'il insiste. Non, non, il est en plein milieu en fait. Il n'y a rien à y faire, mon gars. Il n'y a rien à y faire, c'est mort. Il est 27 mètres, 24, 21, 19, 17, 16, 15. Il est là, hein, il est là. Il va pas le prendre. Hein. Il va pas le prendre, ok. Tant pis. C'est dommage. C'est con parce que 2, ça ne me sert à rien. Il y avait combien d'animaux sur cette planète? 6. Terrestre, terrestre, volant et. Oh, vas-y, le souterrain inhabituel. Va mourir. Va mourir! Cassos. Par contre, je vais faire une petite save. Un objet à 2 millions. Je sais jamais, il serait capable de m'attaquer. Faut que j'en fasse quoi au fait? J'espère que je peux le garder ou faut que je le livre à quelqu'un? Transmettez les données au client. Transmettez les données au client. Mais ouais. C'est où? Oh non, me dis pas qu'il faut que je le livre. Je veux bien le garder pour ma gueule. Restez assis, restez assis. Non, la scanographie. Ah bah, tu peux le garder. Et fais voir, il y a quoi dans ta boutique? Arc cristal. Ok. Ah bah attends, je peux le vendre. Attends, je vais être sûr. Retourner auprès de l'agent de mission. Donc oui, je peux le vendre. Oh, je vais le vendre là-bas. Je ne veux pas prendre de risques inutiles. Qu'est-ce qu'on a là? Explorateur classé. Ego la station. Stationne et puis après on va aller au oui sinon oui je vais sur le miracle puis après on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Planète inconnue, bah elle est morne, quoi tu veux que je la reconnaisse, elle est morne, elle est morne, elle est morne-née. Cuivre, pyrite, argent. Ok. Allez. Ah oui, en plus c'était pour mon dernier module de frégate. Donc ça tombe bien. Super. Je regarde juste qui a remplacé du coup. Chasser les pirates. Non, merci. Alors,
Je vais voir mon truc à 2 millions déjà. Ok. Il est où le solaire? Ça a l'air classé. J'ai pas vu ce que c'était du coup, le solaire. Alors, je vais juste voir du coup, parce que j'ai vu que j'étais monté en rang. Ça a changé quelque chose ou pas? Sur le loot. Obtenir, non. Donner, cristal tempête. Voilà! Nice! Super! J'ai un truc à refourguer. Salut mec! Ah, c'est bien, on peut lui parler sur le côté, on n'est pas obligé d'aller devant. C'est bien ça, je savais pas. Je vais rien acheter, je vais te le vendre. Non, sous-marine, j'ai dit que je la gardais. Je vais la garder, mais vu que je ne vais pas la mettre maintenant, je vais la foutre dans la station. Bon ben, on a bien avancé quand même aujourd'hui encore. Hein. Je cherche pas, je suis plus rapide. Ah, c'est un système dissonant, on le fera la prochaine fois, tiens. De loin, elle est bas, on dirait une grosse balle de tennis. Une balle de tennis dissonante, mais une balle de tennis quand même. Ça, faut que je mette ça dans mon coffre. Noyau de fusion et les choses que j'ai gardées sur moi, tout ce qui peut servir pour les guildes, je le garde. Après, il faut pas que ça coûte non plus des millions, sinon ça va m'attirer les foudres des méchants. J'en profitais pour voir s'ils sont revenus de mission. 49 minutes, ouais, ils sont revenus. Comme ça, je peux les renvoyer. Qu'est-ce qu'ils ramènent? Iridésite, indium. Oh, indium, je garde. Alors. Enfin, on va pas chier loin avec 50, mais bon. Je garde quand même. Ça, c'est à vendre. Ça, laisse-les pas ici. Hop. Et puis, c'est tout. J'en ai plus sur moi dans le vaisseau. Non, alors du coup, il faut que j'en reprenne 3 sur moi. Voilà. Super. Ça, ici. Ça, ici. Vas-y, mets-le aussi ici pour l'instant. Ouais. Lui, il vient là. Quoi d'autre? Non, j'en ai un stack, ça me suffit. Quoique, tu peux toujours. Voilà. Et le reste, on jette. Voilà. Ok, ensuite sur le vaisseau. Oh punaise! Ah bon. Ça, je le garde ici. Ça va nous péter à la gueule. Ça. Ici aussi. Ok, le reste, on est bon. L'iridésite à vendre. C'est tout, je crois. Vas-y, vends-moi ça aussi, ça me saoule à me prendre un emplacement pour rien. C'est tout. On les renvoie tout de suite en mission. Non. Ouais, j'avais un truc à faire quand même ici. Par contre, j'ai passé les 1 étoile. Il me reste que celle-là. Celle-là, c'est même pas la peine, je me ferai défoncer. Déjà, même celle-là, c'est un peu limite. Mais. On va faire avec. 2 pour 2. Ouais, mais vas-y, ça passe. Alors, à nous. Je veux absolument ça. Oh, je viens de jeter de l'antimatière, Addison. Non, mais t'es sérieux? Ah, mais je suis con, mais putain, j'aime ça. Je viens d'en jeter 2. Ok. Bien sûr. Non, juste pour t'emmerder, je vais la mettre là. J'ai l'esprit de contradiction, ça se voit. Voilà, enfin communication avec le cargo. Ça paraît pas, mais ça change sa manière de jouer. Ça. Ouais. T'es sérieux?
Je suis juste à côté des coffres, il veut pas me le mettre encore, hein. C'est dingue. Hein. Ok. Le reste, on est bon. Je suis en train de zioter, tout va bien. Ça part, hein, ça part mes câblages. Hein. J'aurais pas dû les revendre mes 30, hein, j'aurais dû me les garder. Ouais, bah, c'est tout. Tout va bien. C'est ce qu'il faut pour la prochaine session. Superbe. Petite save, et puis voilà. On va s'arrêter là. Donc, je vous dis à plus. Certainement mercredi après-midi, à partir de 14h30, 15h sur No Man's Sky, pour la suite de cette session. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Et je vous dis à plus. Je vous souhaite une excellente soirée. Et bye bye. Et encore merci à tous ceux qui regardent les VOD, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Merci à vous. Ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao.